aujourd'hui, je vous propose une petite révision sur la technique shuto-uke, qui est donc une technique de défense. Alors, je rappelle l'armement qui est très important. La main qui va donc frapper est à l'oreille. D'accord? Donc on peut réaliser cette technique vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés. Exemple ici, vers l'arrière. 1, 2. Je reviens en position. De l'autre côté. 1, 2. Je reviens en position. Petite précision, l'armement se réalise de face et la technique se réalise de trois quarts, presque de profil. 1, face. 2, trois quarts. 1, face. 2, trois quarts. Bien entendu, la position est Kokutsu Dashi. Très bien, j'en vais reculer. 1, 2, puis j'avance. 1, 2. Je peux partir également sur le côté, droite ou gauche. 1. 2. 1. 2. Voilà, donc ces exercices sont à réaliser 10 à 15 fois de chaque côté. Donc autant de fois que nécessaire de façon à les maîtriser, bien entendu. Merci de votre attention. Merci.